Bonjour à tous, petits et grands. Aujourd'hui, Madame Lecture va vous lire Go Diego. Qu'y a-t-il dans cet œuf, Diego? Oh, qu'y a-t-il dans cet œuf? Et dans celui-ci? En soulevant les rabats, amuse-toi à découvrir avec Diego les animaux qui naissent en sortant d'un œuf. Hello, c'est moi, Diego, le sauveteur d'animaux. Aujourd'hui, je suis à la recherche d'animaux qui naissent en sortant d'un œuf. Veux-tu m'aider? Great! Sais-tu que certains bébés animaux naissent en sortant d'un œuf tandis que d'autres naissent du ventre de leur maman? Connais-tu des animaux qui naissent d'un œuf? Vérifions-le ensemble. Tableau des animaux. Jaguar, serpent, grenouille aux yeux rouges, tortue, crocodile, ouistiti, perroquet, singe. Montre-moi les animaux qui naissent d'un œuf. Serpent, grenouille aux yeux rouges, tortue, crocodile et perroquet. Regarde! Clique, zoom sur un nid rempli d'œufs de serpents prêts à éclore. Attention, il est très important de ne jamais toucher les œufs des animaux sauvages. Mais nous pouvons rester là et les observer. Sais-tu quelle espèce de serpent va naître? Eh bien, attendons patiemment. Ce sont des serpents corail. Les serpents corail pondent toujours des œufs. D'autres serpents, comme les anacondas, sortent du ventre de leur maman. Les crocodiles aussi couvent leurs œufs. Utilisons ma longue vue pour observer les œufs du crocodile. Quand une maman crocodile pond ses œufs, elle les enterre dans le sable. Une fois qu'ils sont prêts à éclore, la maman crocodile les déterre. Look! Je vois une maman crocodile creuser dans le sable pour retrouver ses œufs. Encourageons-la en creusant avec elle. Creuse, creuse, creuse. Dig, dig, dig. Bon travail! Les bébés crocodiles sont sortis de leur coquille et leur maman est à leur côté pour les protéger. Savais-tu que les oiseaux pondent aussi des œufs? Une maman perroquet a pondu des œufs la semaine dernière. Voyons comment se portent la maman perroquet et ses petits. Attention à ne pas trop nous approcher. Utilisons ma longue vue pour observer le nid des perroquets. La maman perroquet a de jolies plumes toutes colorées, mais ses bébés n'ont pas encore de plumes. Lorsqu'ils sont nés la semaine dernière, aucun des bébés n'avait de plumes. Regardons à quoi il ressemble aujourd'hui. Très bientôt, les bébés perroquets auront de très jolies plumes, toutes colorées comme celles de leur mamie. Partout dans le monde, des animaux naissent dans des œufs. Utilisons ma console de poche pour observer un animal qui pond des œufs mais qui ne vit pas dans la forêt tropicale. Le voici. C'est le plus gros lézard du monde et il vit en Asie. L'éclosion de ses œufs a lieu généralement au printemps, à la fin de la saison des pluies. Les bébés sortent de leur coquille avec un diamant qui tombe peu après. As-tu deviné de quel animal il s'agit? Le dragon de Komodo. Excellent! Il y a tant d'animaux qui naissent d'un œuf. Merci de m'avoir aidé à les trouver. Thank you! L'histoire est finie. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne louper aucune nouvelle histoire. À bientôt!